what would I do without your smile? Drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse. My worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. C'est ça. Maintenant, c'est ma chaussure. J'ai un peu lutté là avec la manchette, mais bon, c'est ça. Non, ça va maintenant. Okay. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes très pressé là. Ça c'est le grand jour. On ne doit pas être pressé. Vous allez où là? Le grand jour, le mariage. Aujourd'hui je vais épouser ma femme. Comment s'appelle votre femme? Lydie. Je l'appelle beaucoup plus Laetitia. Ce sont ses deux prénoms, Lydie Laetitia. Donc d'un moment à l'autre ça va aller. À 8h on me prend ici. Et c'est ça. Et la petite histoire de votre rencontre, est-ce qu'on veut? Oh, la petite histoire, c'est une longue histoire. Bon, en résumé, ça fait au moins depuis 2011 qu'on se connaît, qu'on s'est vu pour la première fois. Et puis voilà. Après avoir lutté, je peux dire, pour la conquérir, ce qui a mis assez de temps, des années, plus de 4 ans environ, et puis après, bon, c'est allé, elle a été d'accord, et on est depuis un bout de temps ensemble. Nous avons donc décidé de concrétiser cela aujourd'hui. Particulière, c'est une femme exceptionnelle, elle est calme, elle est intelligente, elle est belle, et puis c'est ça, elle s'occupe bien de moi. Donc avec elle je peux discuter, je peux débattre de tout. En fait c'est une bonne personne. Je ne crois pas qu'il y aurait une meilleure. Pour ceux qui ont encore peur, quel est votre secret? Ah, je ne dirais pas qu'il y a un secret. Je crois que quand on trouve l'âme sœur et que après avoir analysé, il n'y a pas à réfléchir. Parce que c'est ça la vie, on est appelé à vivre en couple avec son épouse ou son époux et puis faire sa famille pour être paisible. Ce n'est que dans la maison où on trouve la paix. Et pour cela, il faut avoir son époux ou son épouse. Une nouvelle vie, quel est le joli prénom, le nom que vous avez réservé pour elle à compter d'aujourd'hui? Ah, elle connaît déjà, c'est ma princesse. Elle est ma princesse, il n'y a pas de nom. Donc, c'est ça un peu. À vos deux familles, un petit message pour eux? Oui, j'ai déjà eu vent, j'ai déjà eu écho. Les maisons sont pleines, chez moi comme chez elles. Donc, je
Je suis content déjà parce que je suis convaincu qu'ils seront nombreux. On n'est pas encore là-bas, mais bon, je suis déjà convaincu que ça sera plein. Et félicitations déjà d'avance, et puis que la fête soit belle, quoi. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonne fête. Merci, merci. Give your all to me, give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Oh. Like the moon and the sun, she is worth more than gold. Like the stars in the sky, she is worth more than diamond. She is worth more than silver. Special kind of woman. Oh yeah. Mama ya bwa ya ngozi chuku bunke ya. She's a virtuous woman. Makanezi mwanyi dioko. Oh yeah. Mama ya bwa ya. Yeah. She's a virtuous woman. Makanezi mwanyi dioko. She is very strong, a woman of dignity. She is prayerful, a woman of substance. She is so blessed, her beauty na evidence. Ogoni di ma, na kuno di aniru. Obidia, yeah. Yabo yibo mwano. No. Mwanyi manaria, unyo mamo. Simujisi kenolo, emesi ogadima, imama ya bwa ya, yeah. Ngozi chuku bunke ya, baby mo, she's a virtuous woman. Makanezi mwanyi dioko. She's a virtuous woman.
So beautiful. Oh yeah. Thank God I found you. Yeah. Imama yo papa yo. Yeah. La la la. 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 Veuillez vous lever pour accueillir les futurs mariés sous vos applaudissements. De son absence, de son éloignement ou toute autre cause. Article 214.
Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils contribuent à celle-ci en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges pèse à titre principal sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par des rapports en dot ou en communauté, par les prélèvements qu'elle fait, par les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du Code de procédure civile. Article 215. Le choix de résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence fixée par le juge. Je vous remercie. Je voudrais dire... Je n'ai pas le droit de commenter un article. Jamais, au grand jamais. Mais je voudrais quand même dire à mes filles que de ne pas suivre le dernier article là. Ce n'est pas pour nous. La femme doit vieillir aux côtés de son mari. Ces garçons-là ne vous prennent pas pour aller vous tuer. Pour dire que demain je vais quitter si tu... Non. Quand on les appelle chef de famille, c'est pour... Parce que dès lors qu'il y a déjà deux personnes quelque part, il faut bien une personne qui oriente. C'est tout. Et le chef de famille, là, son rôle, c'est de mettre sa femme et ses enfants en sécurité. Ses enfants et son épouse, surtout l'épouse, elle ne doit manquer de rien. On est des idées, ils canalisent. Il faut exclure la violence dans votre mode de fonctionnement. Vous êtes des mariés modernes qui se marient en 2018. Et instaurer le dialogue, le pardon dans votre fonctionnement. Le respect, faites tout dans le respect, la façon de vous parler, d'éduquer vos enfants et autres. Donc il n'est pas question, quand ton mari te dit la cour, tu dis j'en fais. Non. Le mariage, c'est dans les bons et les mauvais moments. Pour le meilleur et pour le pire. Mais je vous souhaite les bons moments et les meilleurs. D'autant plus que vous êtes des étrangers, chacun est étranger, alors n'est pas aisé. Si ce n'est pas déjà entre des frères et des sœurs. Donc, tout ce que je peux vous recommander, c'est de vous supporter. Et le chef de famille, c'est lui qui oriente. Il oriente. Il est la locomotive, la femme, le wagon, avec les enfants. Et c'est un train que vous marchez, que vous mettez en marche, qui ne doit jamais dérailler. Il pourra seulement dérailler si, après la vieillesse, si l'un décède. Mais pendant que vous vivez, ce train ne doit jamais dérailler. Il conduit ce train, que ce train ne déraille pas. Donc vous allez vous lever, les enfants vous mettez leur face à l'autre. Est-ce qu'il y a opposition? S'il n'y a pas opposition, DJ. Maintenant, avec votre permission, je pourrais vous tutoyer durant toute la cérémonie, vous permettez ?
En vous regardant dans les yeux, on me regarde. C'est dans la vérité. Monsieur, nous nous portons Saint-Brice aimé. Veux-tu prendre pour épouse mademoiselle Bonolidi Laetitia ici présente? Oui, je le veux. La main qui doit porter l'anneau doit être nue. Il faut l'aider à enlever ça parce que vous allez vous déshabiller ensemble la nuit. Voilà. Voilà. Prends l'anneau qui lui est destiné. Vous étiez ensemble toute la nuit. Non. Ma princesse, je te dédie cette alliance en signe d'amour, de respect et de fidélité. Mademoiselle Bonolidi Laetitia, veux-tu prendre pour époux Monsieur Dounoukong, cette fils aimé, ici présent? Oui, Madame le maire, je le veux. Qui lui est destiné, tiens tout ça même à fille pour mieux le tenir. Je te mets cette alliance en signe d'amour, de respect et de fidélité. My body jam, you real. I've been happy because you just smell nice all the time of eyes. Vous vous voyez et vous me regardez. Faut bien que chacun sente le corps de l'autre battre. Bon, regardez-moi maintenant. Voilà. En application de l'ordonnance numéro 81-02. Du 29 juin 1981, portant organisation de l'état civil. Au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare, nous nous concernons, aimés, pardon, et bonhomme, Lydie, Laetitia, unis par les liens sacrés du mariage. Et donc, dès cet instant, devant vos parents, familles et connaissances, scellez normalement votre union en vous embrassant passionnément.
comme. Félicitations. Merci beaucoup. Le respect de la parole donnée, respectez tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Nous sommes les témoins de l'histoire. On a suivi. Tu seras toujours premier par le concours de ton épouse. Maintenant, chacun a son rôle à jouer. Un rôle précieux. Cette fille doit se sentir en sécurité auprès de toi. Sécurité. Elle ne doit manquer de rien. Félicitations. Merci beaucoup. Madame Nounoko Lydie Laetitia, félicitations également. Le respect de la parole donnée. Ton rôle, c'est la protection. Tu dois le protéger tout au long de votre vie. Si tu l'exposes, ce ne sera pas bon. Il ne faut pas l'exposer. La deuxième chose, c'est de le rendre plus grand. Donc, l'élever. Il est déjà grand, il faut le rendre plus grand pour qu'il puisse assurer ton bien-être jusqu'à la fin. Il y a à deux. Félicitations, ma fille. Et ça se résout dans la chambre conjugale. Tout le dialogue, ce n'est pas dehors, ce n'est pas en route, ce n'est pas au bureau. Tu dois le protéger et maintenant tu dois l'élever. L'élever veut dire que le rendre plus grand. Parce que les parents ont fait un excellent travail pour vous rendre grand. Et maintenant, plus grand, le parent a beaucoup de travail. C'est la femme donc qui doit l'aider dans ce travail pour qui devient plus grand. Félicitations, ma fille. Amen. Je ne cesse de le dire à chaque célébration. La première que je recommande à mes filles, c'est la propreté dans votre vie de femme au foyer. Amen. Propreté absolue. De la cour jusque dans la chambre. Le lit toujours bien dressé. Je vous assure, mes filles, comme vous êtes belles là, s'il n'y a pas cette propreté-là, il va chercher là où c'est pas. La deuxième chose, c'est la gaieté. Les foyers, vos foyers doivent, c'est vous qui devez faire vivre vos foyers. Ils doivent être éclairés comme cette salle. De telle manière que tous ceux qui sont venus vous accompagner ici, quand ils viendront, ils se sentent comme chez eux. Vous appuyez, tout le monde par un sourire, ça commence par vous. Amen. Même si vous n'avez rien à leur donner, quand ils arrivent, ils sentent que vous allez leur donner le ciel et la terre. Félicitations au couple, félicitations à mes filles et bienvenue dans ce fameux club. Merci beaucoup. Votre attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. La suite du programme, c'est à l'esplanade pour la séance photo. Une photo, madame le maire et les mariés. Une deuxième photo, madame le maire, les mariés, les chefs de famille et témoins. Et je vais insister là-dessus, que chaque chef de famille et témoin reste derrière son couple. C'est pas à madame le maire d'attendre les signataires dehors. Je vous remercie. Je m'adresse à toi, mon fils de Gonza. Voilà ma fille que je te donne. No, no, no.
a décidé de se marier avec ma fille. Alors il faut comprendre une chose, la femme est comme un bébé. Quand tu as fini de la couler, de la malaxer, déformer et percuter, elle deviendra comme un gorille. Ce gorille dévorera ta femme. Regarde ma fille, elle brille encore. Elle brille comme les étoiles du ciel. Je ne veux pas voir un jour que ta beauté a chuté parce que tu as tapé. Meister et vous, les destins, un dieu de choc, écoutez ça. En fait, c'est un événement très important dans la vie. Bon, on a l'habitude de dire que la naissance de quelqu'un est un événement. Il est présent, mais il n'en est pas conscient. La mort, c'est un autre événement important dans la vie. Malheureusement, tout ce qui se déroule, c'est dans l'inconscience du mort. Par contre, le mariage, c'est l'événement dont on a pleinement conscience. Et c'est un sacrement sur un autre plan. Bon, dans cet événement, il y a un double aspect. Il y a un aspect contractuel. Ça veut dire que les personnes engagées au mariage consentent librement de se mettre ensemble pour la vie. Bon, sur un autre plan, il s'agit d'une institution sociale, religieuse, divine. Ça veut dire que vous vous engagez, mais pas tout simplement d'après votre volonté, mais d'après la volonté de ce que vous prestez, Dieu lui-même qui a créé cette institution. Et puis, par la suite, les hommes qui relaient ça sous forme de loi. Voilà ce que nous pouvons vous dire de ce genre d'événement. Aujourd'hui, nous avons donc à l'honneur monsieur et madame de Nocon qui nous invitent à partager la fête qu'ils ont organisée en tant que témoin du mariage. Et plus que témoin par rapport à tous les autres qui ont assisté à cet événement, je leur ai conseillé de s'engager pour la vie, de s'engager sciemment, volontairement, de respecter les engagements que le maire prescrirait par la suite, ce qui a déjà été le cas puisque nous sommes en mairie. Donc, c'est pas un choix révocable, c'est un choix pour la vie. Voilà l'essentiel de ce que je leur dis. Donc, ils doivent s'atteler à travailler l'un pour l'autre, à travailler ensuite chacun pour la famille, c'est-à-dire les enfants à naître, et à se comporter dignement, loyalement vis-à-vis du reste de la famille. La famille ici, nato sensu, largement entendu. Ce matin-là, comment vous vous sentez? Très content, la pression commence à descendre. Voilà. Et qu'est-ce que vous dites à ces deux mariés? Longue vie, jusqu'à ce que la mort les sépare. Dans le meilleur et dans le pire. Et vous avez un conseil à les donner? S'écouter eux-mêmes. Avant d'amener dehors, il faut d'abord qu'ils s'écoutent eux-mêmes. Ils sont eux-mêmes leurs propres remèdes. Boy, you're driving me crazy. Set my heart in motion. Now it's time for a lady. She broke it, you know. Que je t'aime. Il me manque d'amour. Pour te dire je t'aime. If you ask me a question, boy, I'll give you the answer. Madame Mère, auquel j'ajoute les miens parce que c'est moi qui les ai invités. Je souhaiterais qu'ils suivent mon exemple parce que leur mère et moi, nous sommes mariés à l'église depuis très longtemps. L'amour, la fidélité, l'entente dans leur vie commune. Dans un premier temps, c'est d'abord ça, le respect. Je ne peux pas aller au-delà de ce que vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer. Et d'amener ce grand-père, comment est-ce que ça? Je le suis. Pas bientôt, j'ai des petits-enfants là. Il y a même un qui a battu le bac. Bon.
Je suis fier, Dieu m'a tout donné. Je ne demande plus autre chose. J'attends seulement mourir en paix. Je suis très content et je dis merci à Dieu. Tous mes enfants, ils doivent vivre ensemble. C'est ma première fille. Son père m'a laissé et je l'ai fait grandir. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie. Je veux que la vie continue, que la volonté de Dieu soit faite pour mes enfants. Et vous les conseillez de vivre ensemble, de s'entendre, de se pardonner, le mariage, ce n'est pas du gâteau. Hein. Il faut supporter. Il faut se supporter les deux ensemble. S'il y a quelque chose. Elle devait même me ressembler parce que je vivais avec son père. Je n'ai jamais discuté quelque chose avec lui. S'il y a les mésententes, c'est dans notre chambre. Personne de n'a pas vu comment on discutait, quelque chose, nous bagarrons. Non, parmi mes enfants, personne. S'il y a quelque chose, c'est dans la chambre et ça finit là-bas. Oui. Donc vous les conseillez de s'entendre? Oui. D'être ensemble? Ensemble. Arranger le problème ensemble? Ensemble. Ils ont suivi le gamin. Et combien de petits-fils vous voulez? Peu m'importe. Je n'ai pas eu beaucoup d'enfants, mais je veux des petits-fils. Je veux non. Je veux les petits. J'avais accouché 4 enfants seulement, 2 filles, 2 garçons. Hein? Et je veux que ma famille grandisse. Quoi? Faire quoi? Merci. Bonne continuité. Je les ai bien élevés. Leur montrer comment on se comporte dans la vie. Ne pas insulter quelqu'un. Savoir respecter les aînés, savoir respecter les parents. Quelle que soit la personne qu'il rencontre, il doit savoir que c'est un humain comme lui. Et je les ai appris à savoir que Dieu existe, que c'est Dieu qui est le maître de tout. Et que c'est lui qui commande tout, tout ce qui peut se réaliser. C'est avec le pouvoir de Dieu. Et aujourd'hui, son mari sort comme ça devant monsieur le maire. Oui. Quel est le conseil que tu lui donnes? De vivre en couple. De rester ensemble et de respecter leur mariage. De respecter ce que même le maire leur dit à la mairie. De prendre ça en considération. Si leurs parents n'est pas arrivé à divorcer, ce n'est pas eux qui doivent divorcer. Donc voici, je n'ai jamais fait le problème. Je suis à 50 ans de mariage avec mon mari. Je n'ai jamais fait de problème avec mon mari qu'on se tient dehors, on s'en fout. Je veux qu'ils respectent ça, que Dieu les guide. Que Dieu les guide et marche dans les mêmes normes comme nous. Et combien de petits-fils voulez-vous avoir dans la main? Autant que Dieu le veut, voilà. Il me donne. Vous acceptez? J'accepte. Autant que Dieu le veut. Amen. Amen. Autant que Dieu le veut, j'accepte. Merci aussi. Oui. Oui. Le maire a tout dit. Hein? Moi, je suis le genre qui n'est pas recommandable, mais j'ai réussi mon mariage. Ça veut dire quoi? Vous vous entrecognez le soir, le matin. Voici mon cœur. C'est le secret. Il n'y a pas. Ma maman m'avait toujours conseillé
c'est difficile à aimer, mais plus difficile à être aimé. Yeah. Ça fait des années que j'ai cherché, je crois que cette fois j'ai trouvé. Je n'ai plus peur d'aimer mon bébé. Dis-moi que tu restes là, près de moi, promets-moi. Dis-moi que tu vas m'aimer jusqu'à la fin, promets-moi. Dis-moi que je serai la mère de tes enfants, promets-moi. Mon chéri, il faut que tu le saches, mon cœur tu le tiens. C'est toi, showing I want you to know. C'est baby, my name, why? C'est toi, mais t'es mon sérieux. Love me forever. The love of my life, baby, you're my lover. Je te laisse pas tomber, yo baby, never. But I want you to know, bébé, de toi je suis amoureuse. Je veux pas me décourager. De ton amour je suis comblée. Yeah, yeah. Ça fait des années que j'ai cherché. Je crois que cette fois j'ai trouvé. Je ne peux pas d'aimer mon bébé. Dis-moi que tu resteras près de moi, promets-moi. Dis-moi que tu vas m'aimer jusqu'à la fin, promets-moi. Dis-moi que je serai la mère de tes enfants, promets-moi. Mon chéri, il faut que tu le saches, mon cœur tu le tiens. C'est toi. C'est baby, my name, why? C'est toi. Mon sérieux unique. Chérie, on a mis. C'est toi. Papa te montre mon cœur. Andolé. C'est toi. Mon chéri, mon cœur, tu le tiens. Je te promets. Pour le meilleur et le pire, mon bébé, je resterai près de toi. Sans toi dans ma vie, je m'en sortirai pas. T'as la richesse et la pauvreté, mon bébé, je resterai près de toi. Ne me laisse pas tomber, mais tu sais que je compte sur toi. Dis-moi que tu resteras près de moi, promets-moi. Dis-moi que tu vas m'aimer jusqu'à la fin, promets-moi. Dis-moi que je serai la mère de tes enfants, promets-moi. Mon chéri, faut que tu le saches, mon cœur tu le tiens.
Seigneur, que l'Esprit Saint soit toujours avec lui, qu'il l'accompagne dans le bon comme de mauvais moments. Nous te présentons ce repas, Seigneur, viens le bénir. Bénis les mains qui l'ont apprêté, bénis les bouches qui vont le manger, et apprends-nous, Seigneur, à partager avec ceux qui n'en ont pas. Amen. 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 Thank you.
nous et du ciel. Moi qui voyais le mal partout, si l'amour est encore sur terre, rien n'efface les douleurs d'hier. Sans toi je n'aurais jamais pleuré autant de joie pour personne. Le canon qui ici sous pilotis, refuge de mes amours engloutis. Mon cœur dépose à la dérive, ma reine me font revenir. Je reste avec les étoiles de mer, les oiseaux des terres amères, et mon cœur qui se perd. Je suis tombé pour elle, je n'ai Dieu que pour elle. Ma maison m'a tout fait. Au-dessus des marées, j'ai de l'amour à perpétuité. Pile sur mer, arc inféré, la pointe chevaux de mer pété. Arcachon piqué, les frais, les liens, les glaces sur la jetée. Pourrait bien me manquer. Je suis tombé pour elle. Je n'ai Dieu que pour elle. Ma maison m'a tout fait. Quand mes amours prennent l'eau, mon repère, mon indice, et mes amours à la poubelle, et quitte à perdre pied. Ma maison m'a tout réveillé, quand mes amours prennent l'eau. Je l'ai dit que non, pour ma maison m'a tout refait. Comme mes amours prennent l'eau, mille oiseaux, mais je suis tombé pour elle. Je l'ai dit que pour elle. Ma maison m'a tout refait. Oui. Un peu stressé, mais Dieu merci, une partie est finie. La journée aussi est belle. On a déjà dit oui devant les hommes, maintenant on va devant Dieu faire la même chose. Non, tout va se passer bien. Dieu au contrôle. Il a assuré tout. Ah, comme d'habitude, qu'il reste comme il est. Attentionné, surtout le dialogue, c'est très important dans un couple. Le partage. Out your smart mouth, drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be
affections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse. My worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're breathing fine. Oh,
soit toujours avec vous. Et avec vos esprits. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant.
Thank you.
Ce conseil
de l'évangile que nous voulons écouter, l'évangile selon saint Jean. Dans cet évangile que nous avons suivi, il y a un mariage à Cana. Marie est invitée, Jésus également avec ses disciples. Et au cours du repas, le vin vient à manquer. Les gens ont tellement de problèmes. Et le texte dit que Jésus, que Marie se rapproche de Jésus pour lui dire qu'ils n'ont plus de vin. Ça veut dire que Marie est attentive à tout ce qui se passe dans le Seigneur. Elle constate qu'il n'y a plus de vin. Ayant constaté qu'il n'y a plus de vin, il se rapproche de son fils. Parce qu'elle sait de quoi son fils est capable. Elle sait que si elle demande quelque chose à son fils va le lui accorder. Elle se rapproche donc de son fils en lui disant, ils n'ont plus de vin. Jésus va donner la réponse que nous avons entendue. Mais elle dira au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Ce que je voudrais que vous gardiez aujourd'hui, c'est le fait de toujours inviter la Vierge Marie dans votre foyer. Convoquez toujours la Vierge Marie dans votre maison. Qu'elle soit là présente au milieu de vos groupes. Parce que chaque fois qu'il y aura un souci, chaque fois que vous ferez face à des difficultés, elle sera là pour voir. Elle sera la première à dire à son fils, « Ton fils, regarde, il y a tel problème dans ce couple. Il y a tel problème dans ce foyer. » Mais pour que cela arrive, il faut l'appeler. Le texte nous dit bien qu'elle avait été invitée. Si Marie n'avait pas été invitée à ce mariage, elle n'aurait pas consacré ce manque de vin. Elle n'aurait pas fait cette prière à son fils. Et il n'y aurait pas eu ce miracle. Et les convives seraient rentrés au bout de leur soif. Il faut au préalable inviter Marie pour qu'elle soit là pour lui dire à son fils Jésus. C'est toi qui as créé cette région. C'est toi qui as créé cette liste. Et lui dit, maintenant aujourd'hui, ils sont confrontés à tel problème, à tel défi. Fais ce qui doit être fait pour que ce couple retrouve la joie. Convoquez donc Marie dans votre couple. Et soyez aussi disposés à écouter la parole que Jésus vous dira. Parce que Marie dit au Seigneur, faites tout ce qu'il vous dira. Et ils obéissent. Si ce serviteur n'avait pas fait ce que Jésus avait dit, il n'aurait pas poussé de l'eau. Il n'aurait pas transformé de l'eau. Ne serait pas quelqu'un de l'eau. Que Jésus vous dira. Et Jésus vous parle, il vous parlera toujours à travers la parole de Dieu, à travers les Saintes Écritures. Écoutez les Saintes Écritures. Prenez l'habitude d'apprendre le soir de la parole de Dieu et de faire ce que Jésus vous demande à faire. Faites tout ce qui vous dit là. Et la joie qui descend de vos vies, et on ne se lève pas, sera également la joie que vous allez partager tout au long de votre vie. Que la Vierge Marie elle-même vous tient donc par la main et qu'elle vous conduise toujours sur les pas qui mettent les espèces où il soit Jésus. Vous êtes venus dans cette église pour que le Seigneur confirme lui-même par sa grâce votre décision de contracter mariage en présence du ministre de l'Église et devant la communauté. Le Christ bénit abondamment votre amour conjugal pour aider les époux à se garder toujours fidèles l'un à l'autre et à porter ensemble toutes les responsabilités du mariage. Il enrichit et fortifie dans sa demande spéciale ce qu'il a déjà consacré par le baptême. C'est pourquoi je vous demande maintenant d'exprimer votre intention devant l'Église. Simplice et dit,
Vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un avec l'autre dans le mariage. Est-ce qu'il vous parle et s'accompagne? Oui. En vous engageant dans la voie du mariage, vous promettez un bon rituel de respect. Est-ce que vous voulez la vie? Oui, pour vous la vie. Êtes-vous prêt à accueillir davantage les enfants que tu nous donneras et à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église? Oui. Devant tous ceux qui sont réunis, en présence de Dieu et de l'Église, donnez-vous la main et échangez vos consentements.
Père Saint, tu as créé l'homme et la femme pour qu'ils forment ensemble ton image dans l'unité de la chair et du cœur et accomplissent leur mission dans le monde. Afin de révéler le destin de ta grâce, tu as voulu que l'amour de l'homme et de la femme soit déjà un signe d'alliance que tu as conclu avec ton peuple. Et tu veux que dans le sacrement, le mariage, l'union des époux, l'esprit de le mystère des noces du Christ et de l'Église. Nous te prions de bénir Lydie et ses fils, et de les prendre sous ta protection. Fais que tout le long de leur vie commune, sanctifié par le sacrement, ils échangent entre eux les dons de leur amour. Car étant l'un pour l'autre, ainsi de ta présence, ils deviennent un seul cœur et un seul esprit. Accorde-leur le pouvoir assurer par leur travail la vie de leur foyer et d'élever leurs enfants selon l'Évangile pour qu'ils fassent partie de ta famille. Accorde à Lydie la plénitude de ta bénédiction, qu'elle réponde à sa vocation d'épouse et de mère, qu'elle soit par sa pureté de cœur et sa tendresse la joie de sa maison. Bénédiction à sa fils. Qui se dévoue à tous ces tâches de plus fidèles et de pères attentifs. Et puisqu'ils vont maintenant partager le repas avec les caractéristiques d'être très simple, donne-leur à tous deux la joie d'être aujourd'hui conduits au festin de ton royaume, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Thank you.
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que le Dieu, votre Père, vous garde vraiment unis dans un mutuel amour, afin que la paix de Christ habite dans vous et demeure toujours dans votre maison. Amen. Puissiez-vous être bénis dans vos enfants, avoir auprès de vous les amis qui vous aident et vivre en paix avec tous. Amen. Au nom de l'amour de Dieu, ouvrez votre porte aux malheureux et aux pauvres qui vous recevront toujours à même connaissance dans la maison du Père. Amen. Et vous tous qui êtes ici réunis autour des midis et des services, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors que nous demeurons dans la paix et la joie de Christ. Bonne fête. Ada, baby na sugar, yo.
Mes impressions sont très bonnes. Déjà, c'est le mariage de ma grande sœur. Je ne peux être que fier d'assister à son mariage et de le célébrer. De joie dans le cœur. Honneur et fidélité et respect, c'est tout. Honneur, fidélité et respect. Ouais. Donc respect surtout. Parce que quand un couple se respecte, le monde est parti jusqu'à la fin. Mama.
reste bon, on va danser. Non mais oublie comme ça, on va la belle.